Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour votre tirage horoscope. Pour ce mois-ci, nous allons utiliser le Tanis le Normand et nous utiliserons le Sweet Lady. Ce sont deux jeux que j'ai créés, vous pouvez les retrouver sur ma boutique dont vous avez le lien en barre d'infos et sur la vidéo. Le Tanis est en réédition actuellement, donc il sera disponible en janvier-février pour les précommandes et il arrivera je crois février-mars à peu près, concrètement. Voilà. D'ailleurs, si vous allez voir sur mon site, vous verrez une petite fenêtre pop-up qui vous invite à vous inscrire à mes mails privés puisque j'ai une grande annonce à vous faire. Je n'en dirai pas plus, si ça vous intéresse, allez voir. Pour compléter votre tirage, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et puis pour avoir accès à toutes les vidéos. Voilà, je vous ai tout dit. C'est bon, on peut commencer. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par une carte avec le Sweet Lady pour avoir une tendance générale sur tout le mois à venir. Alors, avec le Sweet Lady, nous avons, cette carte-ci, c'est la carte numéro 47. Et c'est une carte qui vous invite à la patience et à l'application. Les choses sont en train de se faire, mais demandent beaucoup, beaucoup de minutie, beaucoup d'attente, beaucoup de patience. C'est pas facile, la patience, si vous êtes comme moi. Mais là, c'est vraiment utile et ne pensez pas que les choses ne se font pas. C'est pas parce que vous ne voyez pas ce petit travail. Il y a du travail qui se fait, du travail en profondeur. Du travail que vous ne verrez peut-être pas dans un premier temps, mais qui pourtant est bien là. Et ça vous demande beaucoup, beaucoup de patience, beaucoup d'investissement aussi. Vous avez besoin d'application, de faire les choses avec vraiment... de vous focaliser vraiment sur ce que vous souhaitez faire pour en tirer le meilleur parti. Là, vous allez vraiment... c'est l'idée de récolter aussi ce que l'on sème, c'est-à-dire plus vous allez vous appliquer dans ce que vous faites, et plus ce que vous faites va être beau, va être pertinent, va être puissant, va être positif. Donc, mettez-y tout votre cœur, ça va vraiment vous prendre du temps, il va vraiment falloir vous appliquer, mais vous allez voir que le rendu va être sublime si vous faites ce travail-là. Alors... on va regarder maintenant semaine par semaine avec le Normand. Ah, décidément, j'arrête pas de faire bouger la caméra, je suis vraiment désolée. Alors, pour votre première semaine, pour votre seconde semaine, pour votre troisième semaine, pour votre quatrième et dernière semaine. Voilà, donc ça nous permet d'avoir un panorama sur tout le mois. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'ailleurs de ce mois? Des informations, des choses qui vont se déverrouiller pour vous, des choix à faire. Beaucoup de positifs, hein, parce qu'on a quand même la carte du soleil, on retrouve la carte du cœur, on retrouve la carte du bouquet, la carte d'Ulysse. Aucune carte négative, que des cartes positives ou neutres, et c'est excessivement positif, ça m'a l'air d'être un vraiment beau tirage pour vous. Alors pardon, je recale un petit peu la caméra, voilà, pour que le tirage soit droit. Hop! C'est un petit peu plus agréable, je pense, pour vous à regarder. Voilà, donc on a vraiment quelque chose de très positif et ça va commencer dès la première semaine avec quelque chose qui va se déverrouiller. Alors peut-être que vous étiez en prise avec un peu tous les papiers administratifs ou peut-être aussi quelque chose qui était de l'ordre de quelque chose de très structuré, de très, très formel et vous allez avoir un dénouement qui va se faire à ce niveau-là. Et ça va être, vous allez vraiment le prendre en plus comme quelque chose de très positif, ça va vous apporter un cadeau. Alors ça peut être un gain aussi, pourquoi pas, par exemple on vous apporte un papier administratif dont vous aviez besoin et qui va déclencher qui va vous permettre de déclencher un gain d'argent, par exemple, pourquoi pas. Ça pourrait être aussi la vente, une vente de maison, par exemple, une vente d'appartement, une vente de maison qui se concrétise.
Ça pourrait être... On est dans cet ordre-là. On est vraiment dans cet ordre de quelque chose qui va se débloquer et qui va être positif pour vous, qui va vous apporter beaucoup de positif et que vous allez en plus vraiment recevoir comme un cadeau. Vous allez vraiment le recevoir comme quelque chose de bon pour vous. Voilà. On a durant la seconde semaine... peut-être une rencontre avec une personne que vous connaissiez, que vous appréciez énormément, une personnalité masculine. Il y a aussi avec le lys cette idée, peut-être pour certains, cette idée de sexualité aussi qui arrive. Donc pourquoi pas une rencontre avec un homme ou bien justement on est dans cette idée aussi de maturité de couple. De rencontrer une personne qui va être mature ou une personne qui va vraiment pouvoir vous apporter quelque chose dans votre évolution et vous aider vous à être mature. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie, hein. Ça peut être une personne qui va vraiment vous aider à concrétiser un projet ou une personne dans votre relation de couple qui va du coup, votre couple peut également devenir beaucoup plus concret, beaucoup plus vraiment s'engager aussi. Alors on n'a pas la carte de l'anneau, attention, hein, on a la carte du lys, mais on a quelque chose, une maturité qui se fait et qu'on va ressentir. On vous invite aussi durant cette seconde semaine à être très en lien avec vos émotions, vos sentiments. Alors ça pourrait être justement un homme qui vous permet de bien comprendre vos émotions, bien comprendre vos sentiments. Et du coup, vous en tirez beaucoup de maturité à ce niveau-là. Il y a vraiment ce terme de maturité qui revient parce qu'il est très présent et il va être en lien avec cette personne masculine et avec ce que vous ressentez, ce que vous vivez aussi également. Durant la troisième semaine, ici, il va y avoir des choix à faire, mais ça va être des choix qui vont être assez positifs, même très positifs. On a la carte du soleil, donc ne minimisons pas les choses. Oh là là, je vais avoir du mal à le prononcer. Mais il y a quelque chose de très solaire, de très rayonnant, et il va y avoir. On va vraiment mettre l'accent aussi sur les différents choix que vous avez à faire, et on va vous apporter des messages, des annonces qui vont vous permettre en plus de faire le bon choix. Donc vous allez être guidé, vous allez vraiment être guidé pour faire vos choix durant cette troisième semaine. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y a un de ces chemins qui mène aussi à la carte du livre, un chemin qui mène à la carte de l'homme aussi, qui est juste au-dessus, et dont on disait justement, cette personne va vous aider à prendre des choix qui vont peut-être être matures aussi. Donc, et il y a peut-être cette idée aussi de reprendre des études, alors, prendre des études, faire des formations, vous plonger dans quelque chose qui vous passionne et que vous avez envie d'apprendre, de découvrir encore plus, en fait. On a également, durant cette dernière semaine, avec cette idée de d'apprentissage qui est très présent, et avec le cœur, moi je vois vraiment quelque chose qui vous tient à cœur justement, hein. Quelque chose que vous aviez envie de faire, que peut-être pour l'instant vous mettiez un petit peu de côté, et puis finalement là vous allez vous décider, les choses vont s'enclencher d'elles-mêmes, en plus avec ces messages que vous allez recevoir, cette guidance qui va être présente pour vous, hein, ça va vraiment appuyer sur cette envie que vous avez, et vous allez sans doute rencontrer la bonne personne également qui va vous permettre de faire cet apprentissage, de faire cette formation que vous souhaitiez tant faire. Et ici on est dans l'ordre de... avec la femme, ça va être soit une personnalité féminine, soit ça va être aussi votre intuition qui va être excessivement présente et qui va vous permettre de trouver la bonne formation, de trouver le bon apprentissage pour vous. En tout cas, il y a également cette idée de partage, partage à cœur ouvert avec votre conjoint, votre compagnon, votre compagne ou des personnes qui sont présentes autour de vous, de vos connaissances. Ça peut être aussi le fait de vous mettre en tant qu'enseignant et de transmettre vos connaissances à une personne féminine. Voilà, une personne féminine de votre entourage, une femme, une jeune fille, quelqu'un qui est présent, qui demandait peut-être de l'aide, et que vous allez apporter, et vous allez vraiment le faire avec l'élan du cœur, vraiment dans cette idée de partage de connaissances sans rien demander en retour,
Voilà, donc un très bel élan en tout cas qui se fait, et c'est vraiment un très bel élan hein, qui se fait tout au long du mois pour vous, les Vierges, et c'est super, c'est un très beau tirage que vous avez là. N'oubliez pas de faire les choses avec beaucoup de patience, prenez vraiment le temps pour faire chaque chose, allez au fond pour vraiment arriver à faire quelque chose de très beau, vous en avez toutes les capacités. Et même si ça vous demande de la patience, vous allez voir que vous allez être récompensé. Voilà, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse bien fort. Bye bye !